Cette année, nous serons présents au Salon de l'Agriculture au pavillon Artisanat et Patrimoine Rural avec la boutique des producteurs, qui est une boutique qu'on a lancée en 2018 pour à la fois proposer à nos clients une offre de produits venant directement du producteur et donc des produits de plus grande qualité dont ils connaissent la provenance et permettre aux producteurs d'étendre leur zone de chalandise et d'accéder à des nouveaux clients grâce au digital. Le principal avantage de cette boutique pour les producteurs, c'est bien sûr l'accès à nos 35 millions de visiteurs uniques d'après Médiamétrie qui viennent sur Amazon et un désenclavement finalement ou une extension de leur zone de chalandise à travers la visibilité qu'ils ont sur Amazon. Ils sont aussi maîtres de leur politique commerciale, donc des prix et des stocks qu'ils veulent fournir à ses clients. C'est un nouveau moyen pour eux d'aller accéder à de nouveaux clients. La boutique des producteurs, c'est 400 vendeurs, c'est plus de 13 000 références produits et ça continue de grossir tous les jours. On sait que les TPE, PME plus largement et les producteurs bien entendu ont besoin d'être accompagnés pour la digitalisation et donc on a créé l'accélérateur du numérique qui est une formation gratuite en ligne sur la base de modules vidéo qui permettent à tout entrepreneur, TPE, PME, producteur, d'apprendre les bases du e-commerce. Alors, notre ambition, vous le savez, c'est de fournir l'offre de produits la plus large, au bon prix et dans les meilleures conditions de livraison. Et donc, l'alimentaire fait partie, effectivement, des rayons dans lesquels on se développe. Vous connaissez sans doute le partenariat qu'on a avec Casino en point de retrait. On a cette boutique des producteurs, donc on a énormément d'initiatives dans ce domaine-là.